quelqu'un lise pour nous Nombre chapitre 23, verset 23. Someone should read Numbers 23, verse 23 for us. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Frères bien-aimés, beloved brethren, nous avons vu comment le Seigneur nous a conduits. Nous savons le Lord led us pour détruire les chaînes et les liens des envoûtements. To destroy the chains and the bonds of bewitchment. Et nous allons continuer. We are going to continue. Et ce qu'il faut savoir, what you must know, c'est que la main de Dieu est sur son peuple. Is that God's hand is upon his people? Vous savez que ce sont les sorciers qui pratiquent l'envoûtement. You know that witches and wizards practice bewitchment. Ce sont les sorciers qui pratiquent les enchantements. They are the ones that practice enchantments. Faut-il donc craindre les sorciers? Should we then fear witches and wizards? La réponse est non. The answer is no. Parce que un enfant de Dieu, because a child of God, qui a donné sa vie à Jésus, who has given his life to Jesus, a l'autorité sur la sorcellerie, has authority over witchcraft. Et l'enchantement ne peut rien contre lui. An enchantment can do nothing against him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parce que Dieu veille sur ses enfants. Because God watches over his children. Même Satan, even Satan, a dit à Dieu, told God, Job, ne te crains pas pour rien. Job doesn't fear you for nothing. Ce n'est pas d'une manière désintéressée qui te craint. It is not for nothing that he fears you. C'est parce que tu le protèges. It's because you protect him. Tu protèges ses biens. You protect his wealth. Tu protèges sa famille. You protect his family. Donc le diable, so the devil sait, knows, que Dieu veille sur nous. That God watches over us. Balaam a envoyé des gens appelés Balaam. Balaam sends his people to call Balaam. Pour que Balaam vienne maudire Israël. For Balaam to come and curse Israel. Quand tu étudies la méthode que Balaam a utilisée, when you study the methods that Balaam used, cette méthode répond au principe de l'accusation. This method is in line with the principles of accusation. Quand Balaam arrive, when Balaam came, il dit à Balak de bâtir 7 hôtels. He told Balak to build 7 altars. Et il offre les sacrifices. For him to offer sacrifices. C'est-à-dire il veut que Balak ait la faveur de Dieu. He wanted Balak to have God's favor. Et il veut que Dieu voie le péché d'Israël. And he wanted God to see Israel's sin. Le diable est rusé. The devil is cunning. Mais malheureusement pour Satan, and unfortunately for Satan, les enfants d'Israël avaient déjà été couverts par le sang de l'agneau depuis le jour de Pâques. The children of Israel were already covered with the blood of the lamb from the day of the Passover. Ça veut dire que les méthodes de Balaam fouillaient quelque part pour voir le péché, pour voir une femme. Means that the method of Balaam was searching somewhere to see sin and to see a fault. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des témoignages même. There are testimonies où les devins ont dit à certains frères, tu es venu me consulter, c'est bien, mais pour toi, là-bas à l'église, tu es un enfant de divin. Where diviners have told brethren, where diviners have told some people that you have come to consult me is good, but for your case, les go devins to the church. I'm talking about divines. Savent soothsayers. Que nous sommes les enfants de Dieu. They know that we are children of God. Il y a un frère. There's a brother. Il est dans notre communauté. He is in our ministry. Son père était un grand sorcier. His father was a great wizard. Un jour, one day, il l'a appelé. He called him. C'est-à-dire, le père de ce frère l'avait appelé. It means the father of this brother called him. Et il y a un des perviers qui survolait. And there was dans le ciel. There was a kite that was flying over the air, a hawk. Et son père l'a appelé. And his father called him. Il a pointé l'index droit sur l'épervier.
And he pointed his index finger on the hawk. L'épervier est tombé mort. And the hawk fell down and died. Et son père lui a dit. And his father told him. Si tu as vu ça. You see that? C'est la puissance. That is power. Dans la sorcellerie. That in witchcraft. C'est moi leur chef. I am their head. Mais je te dis une chose. But I tell you one thing. Va à l'église. Go to church. Va à l'église. Go to church. Il est là, il a Yamsokro, il est dans. Il m'a rendu ce témoignage à Koro, il était encore à Korogo en fonction. He shared this testimony with me. He was still in Korogo, now he's in Yamsokro. Après sa retraite, il réside à Yamsokro. After his retirement, he's now in Yamsokro. Il est authentiquement frère. Son père lui a dit, je suis sorcier, un chef. Je suis puissant, tu as vu ça. Il dit, l'épervier était frappé comme si on avait tiré avec une balle. His father made that sign and the hawk fell down, but he told him, I'm the chief, but you go to Et church. Il est devenu chrétien, il n'a même pas l'intention de rétrograder. And he became a Christian without the slightest intention of backsliding. Quand l'arche avait été prise par les Philistins, when the ark was taken by the Philistines, Dieu a commencé à frapper les Philistins. God began to strike the Philistines. On a amené chez les Asdod, ça a frappé les habitants de la ville. They brought it to Asdod and it struck the inhabitants mort, of the city. Hémorroïdes, mort, terreur. There was terror, death. Ils ont dit, venez prendre. Ils ont pris, ils ont envoyé à Gath. And they said, oh, come and take it. And they took it to Gath. Ça a frappé les habitants. And it struck the inhabitants. Les morts, les hémorroïdes, la terreur. There was death. Ils ont pu venir ramasser, ils ont poussé ça à Ekron. And they said, come and take it, and they carried it to Ekron. Les gens d'Ekron étaient très sages. And the people in Ekron were very wise. Ils ont appelé les princes. They called princes. Que faisons tout pour ramener l'arche ici chez les enfants d'Israël? And they said, let's do all to take this ark back to the children of Israel. Les princes des Philistins ont appelé les sorciers, les devins, pour leur dire, c'est-à-dire leurs prêtres, pour leur dire ce qu'ils doivent faire. The princes of Ekron called diviners, that is their priests, to ask them what to do. Les prêtres des Philistins ont dit, offrez une offrande à l'Éternel. The priests of the Philistines told them, give an offering to the Lord. Ne renvoyez pas l'arche David. Do not send back the ark of David. Est-ce que vous suivez? Les sorciers savent ce qu'il faut faire pour que Dieu cesse de frapper. Witches know what to do for God to stop striking. Et c'est pour cette raison, that is why, que quand tu es tenté, when you are tempted, il faut faire attention. You should be careful. C'est là le vrai problème n'est pas le diable. That is the true problem. The true problem Parce is not the Dieu devil. Parce que Dieu veille sur nous. Because God watches over us. Quand le diable veut travailler, when the devil wants to work, il ne commence pas par les attaques. Doesn't begin by attacking. Il commence par l'accusation. He begins by accusation. Il va devant Dieu lui-même. He goes before God himself. Il fait comme Balaam faisait là. Il dresse 7 autels devant Dieu. He does like Balaam did. He puts 7 altars before God. C'est-à-dire, il va rencontrer Dieu pour obtenir les paroles pour maudire Israël. That is, he went before God to get the words to curse Israel. Balaam sait que Dieu révèle souvent ses jugements aux prophètes et les prophètes les proclament. Balaam knew that God reveals his judgments to the prophets and then the prophets proclaim them. Donc il va à la recherche des paroles de Dieu contre Israël. So he went to seek God's words against Israel. Donc il remplit les conditions des sacrifices qui attirent la faveur de Dieu. So he fulfilled the conditions of sacrifices that bring on the favor of God. Et qui peuvent exposer les faiblesses d'Israël. And that can expose the weaknesses of Israel. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, le diable vous a réclamé, that the devil has tried pour vous cribler, to save you. Ça c'est la méthode des sorciers. That is the method of witches. Tu vois tes enfants là. You see those your children? Do you see them? Laisse-moi. Just let Pourquoi me. Pourquoi tu les protèges? It's because you protect them. Ils font comme mes enfants. They are behaving like my children. Et Dieu peut laisser. God can let him. Là il frappe. There he strikes. Quand Balaam a échoué, when Balaam failed, il est parti dire aux Moabites, he went and told the Moabites, qu'il faut coucher avec les hommes, c'est-à-dire envoyer les filles coucher avec les hommes
Et faites tout pour que les hommes épousent vos filles. That they are the, make your daughters to go and have sex with their men and make their men to marry your daughters. Et les enfants d'Israël ont commencé à commettre la fornication, l'adultère avec les Madianites et les Moabites. And the children of Israel started committing fornication with the Moabites. Là, c'est Dieu lui-même qui a frappé. And then God himself struck. Ce qu'ils n'ont pas obtenu par enchantement, Balaam a tout fait pour qu'ils obtiennent ça par le péché. What they could not obtain by enchantment, Balaam did all to make sure that they obtained it by sin. So this evening, nous avons fait 7 jours déjà. We have already gone through 7 days. Nous avons célébré le Seigneur. Il est même venu nous distribuer les dons. We celebrated the Lord and he even came down and pour ceux qui gave n'étaient us pas gifts. Là hier, vraiment, il faut regarder les vidéos. For those who were not there yesterday, please watch the videos. Mais pour continuer, but for us to move on, la guerre contre les idoles. The war against idols. Tout péché, il faut annoncer la nouvelle parce que il y a des gens qui tout le monde ne vient pas tous les jours, même à la maison, qu'il y ait une guerre radicale contre le péché. It's a war against every sin. So tell even those who don't come because some people don't come every day. So tell those who are at home. Satan vous a réclamé. Satan wants to lay hold of vous you. Vous cribler. To save you. Le diable sait. The devil knows. Que tant que la main de Dieu est sur nous. That as long as the hand of God is upon us. Il ne peut rien. He can do nothing. Alléluia. Alléluia. Il ne peut rien. He can do nothing. L'enchantement ne peut rien contre Israël. The spell can do nothing against Israel. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Enchantment can do nothing against Israel. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Witchcraft can do nothing against you. Mais ce qui peut créer ton problème. But what can create a problem for you? C'est le péché. It's sin. C'est l'idolâtrie. It's idolatry. L'idolâtrie, c'est quoi? What is idolatry? C'est quand on remplace Dieu par d'autres valeurs ou d'autres personnes ou d'autres objets. It's when we replace God by other values, other persons or other objects. Chacun doit renouveler son engagement. Each one must renew his commitment. Chacun doit accepter sa condition de vie. Each one must accept his living condition. Chacun doit accepter. Each one must accept la vie, la bénédiction que Dieu lui a donnée. The blessing that God has given to him. Il y a des gens, certaines femmes disent, oh, si j'étais un homme. Some ladies say, oh, if I was a man. Et il y a des femmes qui, il y a des hommes qui disent, ça là, vraiment, ça, si on m'avait demandé, j'allais choisir d'être une femme. And there are some men who say, well, if I was asked to choose, I would have chosen to be a woman. Il faut se repentir de toutes ces pensées. You should repent of all of such thoughts. Il faut se repentir des complexes à cause de ton niveau d'études. You should repent of complexes because of your educational level. C'est le moi, c'est le moi. That is self. C'est l'orgueil. And pride. Il faut te repentir. You must repent de tout complexe. Of every complex. À cause de ta tribu. Because of your tribe. De ta famille. Of your family. Ça peut être un complexe de supériorité. Vous pouvez croire que vous êtes des grands. It could be a superiority complex because you think that you are great people. Vous formez un petit club de gens orgueilleux. And you form a little club of proud men. On dit la famille d'un tel. And they say the family of this person. Et puis ça entre dans ta tête. And then it gets into your head. Paul dit, Paul says, ce qui importe pour lui, c'est de connaître Jésus-Christ. That what is important to him is to know Jesus Christ. Ce qui est important pour chacun de nous, what is important for each of us, c'est qu'il connaisse Jésus-Christ. Is to know Jesus Christ. Et qu'il le connaisse bien. And that he should know him well. Guerre contre les idoles. War against idols. Car l'enchantement ne peut rien contre Israël. Enchantments can do nothing against Israel. Quand Moïse est arrivé en Égypte, when Moses got to Egypt, il a opéré le premier miracle. He performed the first miracle. Pharaon a fait venir les sages, ses sages. Pharaoh brought his own wise men. Ses devins. His diviners. Ses magiciens. His magicians. Pour faire la même chose. To do the same thing. Est-ce que nous sommes ça? Are we together? Et la parole de Dieu précise que par enchantement, par désenchantement, pour faire la même chose. And the word of God precises that they did the same things through enchantments. Si le Seigneur est sur le trône, if the Lord is on the throne, il y a certains enchantements qui seront brisés.
There are some enchantments that will be broken. Parce que quand il se met en colère, because when he gets angry, sa colère, his anger, détruit, destroys, foudroie, breaks, quand il est fâché, when he's angry. David a rendu témoignage dans le psaume 18. David testifies in Psalm 18. Il dit qu'il a crié à l'Éternel. He said he cried out to the Lord. Et sa voix est parvenue aux oreilles de Dieu. And his voice got to God. Et la tête fut ébranlée. And the head was shaken. Et la tête trembla. And the head shook. Et Dieu s'est enveloppé de sombres nuages. And God covered himself with clouds. Pour descendre. To come down. Il y avait l'obscurité. Il y avait la terreur. And there was darkness and terror. Et il est descendu. He came down. Il dit qu'il volait sur les ailes. And he says that he was flying. Et il a saisi David. Il a sorti des grands eaux. Laid hold of David and took him out on the great day. Il dit, il me délivra de mon adversaire plus puissant que moi. And he said, he saved me from my enemies who were stronger than me. Frère, brethren, il y a des gens sous la terre enfermés en prison. There are people who are in prison under the earth. C'est une réalité. It is a reality. Il y a des gens sous les eaux. There are people under the waters. Il y a des gens dans les forêts. There are people in forests. Le diable n'a rien. The devil has nothing. C'est la nature là. Quand les démons sont tombés, it is the nature. Ils ont été chassés du ciel. When the demons were chased from heaven. Certains voient les arbres et disent ça c'est pour moi. Some see the trees and say this is for me. D'autres voient un cours d'eau et disent ça c'est pour moi. Another one sees a water, a flowing stream and says this is for me. Et tous convoitent le temple de Dieu qui est le corps de l'homme. And they all convert the temple of God which is the body of man. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le premier envoûteur, c'est qui? C'est Satan. Who is the first person who bewitches? Il utilise la tentation. Dès que tu tombes, il te prend. He uses temptation and as soon as you fall, he lays hold of you. Quand on est envoûté, on est contrôlé. When we are bewitched, you are controlled. On a des comportements qu'on ne maîtrise pas. You have behaviors that you yourself don't understand. C'est ça que le diable fait. That's what the devil does. Quand il entre, when he gets in, tu deviens déréglé. Tu deviens déréglé. You become wayward. Tu as des désirs incontrôlables. You have uncontrollable desires. Tu as des envies incontrôlables. You have desires that are uncontrollable. Tu entends des gens qui disent, je ne sais pas ce qui m'arrive. You hear people say, I don't know what is happening to me. Et le diable a déjà ton cerveau dans sa main. The devil has already taken your brain and put it in his hands. Lis pour nous Ephésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Read for us Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Ce soir, this evening, par la foi, by faith, et par ton intelligence, and by your knowledge, et chacun par sa foi et par son intelligence, and each one by his faith and his intelligence, tu abandonnes l'idolâtrie. You abandon idolatry. Tu acceptes la vie de Dieu avec joie. You accept God's life with joy. Tu acceptes de pardonner. You accept to forgive. Tu acceptes d'arrêter la convoitise. You accept to stop covetousness. Tu rends grâce à Dieu pour toutes choses. And you thank God for everything. Tu verras ce qui va se passer. And you see what will happen. Le combat va changer de direction. The warfare will change directions. Il y aura un revirement de situation. There will be the settling of situations. Là où tu criais trois fois. Where you used to cry out three times. Tu vas crier une seule fois. You will shout once. Lis à haute voix. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. De l'esprit, on marchait autrefois selon quoi? Some time ago you used to live. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. According to the ways of on accomplissait les volontés de notre chair et de nos pensées. Accomplishing the desires of our flesh and of our minds. Et on marchait selon l'esprit de la puissance de l'air. We walked according to the spirit of the power of the air. Et la parole de Dieu dit, le diable a tendu des pièges. That the devil laid snares. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 et que il faut que Dieu agisse pour que les yeux de chacun s'ouvrent pour voir les pièges dans lesquels le diable nous a fait tomber. So God has to open our eyes to see
The traps in which the devil has made us to fall. Chaque tentation est un piège. Every temptation is a trap. Le diable sait. The devil knows que s'il n'y a pas de péché, that if there is no volontaire, sin, if there's no voluntary sin, il ne peut rien contre nous. He can do nothing against us. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Là où nous sommes assis, right where we are, le sang de Jésus nous cache. The blood of Jesus hides us. Tu es sous le sang de Jésus. You are under the blood of Jesus. Lis pour nous Apocalypse 12, verset 9 et 10. Read for us Revelation chapter 12, verse 9 and 10. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Il les accuse jour et nuit. He accuses them day and night. Ce sont ces méthodes que les divins utilisent. That's the method that divine has used. Mais qu'est-ce qui leur donne la victoire? Lis le verset 11. But what gives them victory? Read verse 11. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous l'avons vaincu. We overcame him. Quand nous rendons témoignage, when we testify, c'est un combat réel. It's a real battle. Et Jésus a, nous sommes sous le sang de Jésus. And we are under the blood of Jesus. Et quand Dieu regarde l'église, when God looks at the church, il ne voit pas le péché. He doesn't see sin. C'est pardonné, effacé. It is forgiven and wiped out. Tu dois garder cette position-là. You must keep that position. Quand tu es tenté, when you are tempted, tu dis non. You say no. Si tu tombes, if you fall, si tu es déjà tombé, if you have already fallen, et c'est ça que l'apôtre Jean nous enseigne. And that's what the apostle John teaches. Il dit petits enfants, he says little children, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. I'm writing this to you so that you should not sin. C'est-à-dire qu'il y a tous les conseils qu'on donne. It means that there are all counsels that are given. Pour que tu ne tombes jamais. For you never to fall. Et il dit. And he says, mais si quelqu'un a péché, but if someone has sinned, nous avons auprès du Père un avocat. We have with the Father an advocate. Jésus-Christ le juste. Jesus Christ, the righteous one. Il est pour nous une victime propitiatoire. He is for us an atoning sacrifice. Non seulement pour nous. Not for us only, mais pour le monde entier. But for the whole world. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Toi qui es tombé, you are fallen. Lève-toi tout de suite. Rise up right now. Et vis. And leave. Ne perds pas le temps. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Do not waste time and say I've fallen. I've fallen. I've fallen. Je suis tombé. Oh, I've fallen. Ça ne change rien. It changes nothing. Si tu es vraiment tombé, if you have truly fallen, repens-toi. Repent. Arrête. Stop. Et rentre dans le sang de Jésus. And get to the blood of Jesus. Personne ne peut te toucher. No one can touch you. Il dit, je vous écris. He says, I write to you. Afin que vous ne péchiez pas. So that you should not sin. Maintenant qu'il est vrai que certains ont déjà péché. Now that is true that some have already sinned. Qu'est-ce qu'il faut faire? What should you do? Le sang de Jésus. The blood of Jesus. C'est la notre puissance. It's our power. Quand le diable accuse. When the devil accuses. Il n'a rien. He has nothing. Ce sont des méthodes démoniaques. Those are demonic methods. Accuser les enfants de Dieu. Accusing children of God. Pour les envoûter. To bewitch them. Pour obtenir le rejet, pour que Dieu les rejette. To obtain God's rejection of them. Et que les démons viennent maintenant jouer. So that demons can come and then play around. Est-ce que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, commençons par toi. Lève-toi et viens ici. If you have not yet given qui veut donner sa Jesus, vie à Jésus? Qui veut entrer sous le sang de Jésus? Who wants to get under the blood of Jesus? Pour être caché pour toujours. To be hidden forever. Lève la main. Raise your hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main quelque part? Is there someone? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus pour être caché sous le sang de Jésus? Is there anyone amongst you? Lève-toi, tu viens. Who has not yet given his life to Jesus to be hidden under the blood of Jesus? Est-ce qu'il y a une autre personne? Is there anyone else? Que tout cela vienne. Let all those ones come.
Oui, venez, 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 venez. Yes, come, come, quand come, vous come. Venez, ne perdez pas le temps. Please don't waste time. Si tu dois venir et tu prends tout le temps, on va commencer la prière en retard à cause de toi. If you have to come and now you're wasting time, we'll begin prayers. Va joyeusement devant. Alléluia. Go joyfully. Qui d'autre? Va devant. Who else? Please come. Nous avons vaincu Satan. We have overcome Satan. Le sang de l'agneau. The blood of the lamb. Et les paroles de notre témoignage. And the word of our testimony. Une grande puissance. Great power. Pour écraser l'œuvre du diable. To crush the work of the devil. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lève-toi et viens. Rise up and come. Nous l'avons vaincu. We overcame him. Par le sang de l'agneau. By the blood of the lamb. Par le sang de Jésus-Christ. By the blood of Jesus Christ. Par les paroles de notre témoignage. And the word of our testimony. Qui d'autre? Lève-toi et viens. Who else is there? Rise up and come. Rapidement, rapidement. Quickly, please. Acclamez comme des vainqueurs. Clap like winners, quand conquerors. Quand on acclame, les démons s'enfuient. When you clap, demons flee. Lève-toi et viens. Rise up and come. N'est-ce pas, je vous ai dit. I told you. Acclamez encore. Yes, let's clap. Acclamez jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Clap until chains are broken. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Rise up and come, rise up and come. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Lève vos mains. Raise your hands. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Je vais résister à la tentation. I will resist temptation. Je vais t'aimer. I want je to love you. Je ne veux plus me livrer. No longer want to give dès que myself. Je suis tenté, je tombe. Je suis tenté, je tombe. Each time I'm tempted, I fall. I'm tempted, I fall. Je te donne ma vie. I give you my life. Efface tous mes péchés. Wipe out all my sins. Tenons-nous debout. Let's stand, please. Fais comme si c'est maintenant que tu donnes la vie à Jésus. Behave as though it is now that you are giving your life to Jesus. Les choses vont changer. Things will change. Même la nature des victoires va changer. Even the nature of the victory will change. Je sais que tu as l'intelligence. I know that you are intelligent. Je sais que tu comprends. I know that you understand. Que même au niveau de ta relation avec Dieu. That even at the level of your relationship with God. Il faut parler à Dieu. You need to speak to God. Il faut renouveler l'alliance. You need to renew your covenant. Ne dis pas j'aimais le Seigneur l'an passé. Don't say I loved the Lord last year. Renouvelle toutes choses maintenant. Toutes choses maintenant. Renew everything, renew all now. Toutes choses maintenant. Everything now. Et place-toi devant lui. And stand before him. Comme une offrande. Like an offering. Volontaire. A willing offering. Comme une offrande. Like vivante. A living offering. Dis-lui, je suis là. Tell him I am here. Prends-moi. Take me. Détourne-toi de toute idole. Turn away from all idols. Que chacun frère renouvelle. Il voit, il lit. Let il comprend. Renew. Il connaît. He sees, he reads. Il pèse. He understands, he knows. Il examine. He examines. Dis, oh mon père. Say, oh my father. Je sais très bien. I know very well. Que tu protèges. That you protect. Tout ce qui invoque ton nom. All who call upon your name. Je sais très bien. I know well. Et frère, écoutez ça. But then listen to this. On ne devient pas vainqueur de la sorcellerie en disant que la sorcellerie n'existe pas. We don't become overcomers of sorcery by saying that sorcery does not exist. On devient vainqueur en gardant les regards sur Jésus. We become overcomers by keeping our gaze on Jesus. En vivant sous le sang de Jésus. By living under the blood of Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis Père, say Father, je sais très bien, I know well, que j'ai des ennemis, that I have enemies. Je sais, I know, que l'ensorcellement est une réalité, that bewitchment is a reality. L'envoûtement est une réalité, that bewitchment is a reality. L'enchantement est une réalité, that enchantment is a reality.
Je sais très bien I know very well que tu n'abandonneras jamais ton peuple. That you never abandon your people. Car il est écrit. Because it is written. L'enchantement ne peut rien. That enchantment can do nothing. Contre Israël. Against Israel. Même la divination. Even divination. Toutes les opérations de la magie. All magic operations. Ne peuvent rien. Can do nothing. Contre tes enfants. Against your children. Tu as dit à Pierre. You told Peter. Le diable vous a réclamé. That the devil has wanted to have pour you. Pour vous cribler. To save you. Mais comme du froment. To save you mais like j'ai it. Prié pour toi. But I prayed for you. Tu dis oh Seigneur. Say oh Father. Tu pries pour nous. You pray for us. Tu pries pour moi. You pray for me. Tu me protèges. You protect me. Tu me caches sous ton sang. You hide me under your blood. Donne-moi la puissance. Give me power. Pour abandonner tout péché volontaire. To abandon every voluntary sin. Tout péché volontaire. Tout every péché. Voluntary sin. Every voluntary tout sin. Péché volontaire. Every voluntary sin. Continue à prier. Continue to pray. Dis oh Père. Say oh Father. Je comprends très bien. I understand clearly. Qu'au lieu de trembler. Instead of trembling, je dois vivre sous ton sang. I must live under your blood. Sous ton sang. Under your blood. Sous ta main puissante. Under your mighty hand. Sous ta main puissante. Under your mighty hand. Et si tu as peur des méchants, if you are afraid of the wicked, si tu as peur, if you are afraid, que quand tu vois quelqu'un, tu dis il est sorti ton cœur bas. That when you see somebody and they say he is a witch or repent, a wizard, repent-toi, repent-toi. Your heart beats, please repent. Repent-toi. Repent. Tu n'as rien à craindre. You have nothing to fear. Rassure-toi que le sang de Jésus est sur toi. Ensure that the blood of Jesus is upon you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Évite les péchés volontaires. Avoid voluntary sins. Si tu as fait une promesse à quelqu'un, if you've promised something to someone, que j'arrive, on va aller partager une bière, comme les gens disent dans le monde. Telling him that, well, I'm coming and we are going to share a bottle of beer. On m'a invité quelque part là, j'arrive. I was invited somewhere, I'm coming. À partir de maintenant. From this moment. Plus de bière. C'est no more beer. C'est fini. It's ended. Dis amen. Say amen. Ce sont des choses faciles à obtenir. Tu décides seulement, tu dis, c'est, ça va, ça suffit. Those are very easy things to obtain. You je just decide and you say it's enough. Je suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. Et le combat va changer de nature. And the warfare will change its nature. Prions ensemble. Let's pray together. Dis Jésus est là, Jésus est là. So Jesus is here, Jesus is here. Je ne tremblerai point. I will no more tremble. Dis Jésus est là, Jésus est là. So Jesus is here, Jesus is here. Dis mon ennemi. Say my enemy. Toi qui voulais te réjouir à mon sujet. You wanted to rejoice about me. À cause de ma condition spirituelle. Because of my spiritual condition. Tu as perdu. You have lost. Mon Dieu est fidèle. My God is faithful. Si je suis tombé, if I've fallen, je me relève tout de suite. I rise up right now. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm seated in darkness, je me lève. I rise. Et tu ne me verras plus. And you no longer see me. Comme les démons veulent partir, commandons qu'ils s'en aillent. Since demons want nous, to go on, away, nous, on voulait conclure et revenir demain. Commandons que si un démon est là, qu'il parte tout de suite. Prions ensemble. Let's command all the demons they should go right now. Va. Be gone. Va. Be gone. Sors. Go. Sors. Out. Sors. Out. Sors. Sors. Out. Out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Sors. Out. Sors. Out. Sors, Evatan. Out and go away. Gardez le calme. Please be silent. Sors, Evatan. Out and be gone.
Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Le Seigneur ne voit pas de péché dans son peuple. The Lord sees no sin in his people. Toi qui es venu par enchantement. You came through enchantment. Sors. Out. Sors. Out. Esprit du serpent. Spirit of snakes. Sors. Out. Esprit de serpent. The spirit of snakes. Tous les esprits de serpent. Every snake spirit. Tous les esprits de serpent. Every snake spirit. Sors. Out. Sors. Out. Écoutez. Listen. Il y a un démon de colère. There is a demon of anger. Toi, démon de colère. You, demon of anger. Toi, démon de colère. You, demon of anger. Toi, esprit méchant. You, wicked spirit. De colère. Of anger. Va-t'en! Out! Esprit méchant de colère. Wicked spirit. Va-t'en! Be gone! Va-t'en maintenant, sors! Be gone right now, out! Maintenant, c'est le démon d'adultère. Now is the demon of adultery. Démon d'adultère. Demon of adultery. Démon d'adultère. Demon of adultery. Va-t'en! Be gone! Démon d'adultère. Va-t'en! Away! Go away! Goro baka. Méchant esprit de la gloutonnerie. Evil spirit of gloutonnerie. Gluttony. Out. Toi qui manges sans fin. You eat without ending. Démon de gloutonnerie. Demon of gluttony. Va-t'en. Out. Sors. Out. Gloutonnerie. Gluttony. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va. Gone, go. Esprit méchant de pauvreté. Wicked spirit of poverty. Esprit de pauvreté. Spirit of poverty. Va-t'en. Be gone. Sors. Out. Je libère les richesses. Release your riches. Je libère les richesses. Release your riches. Je libère les richesses. Release your riches. Je libère les richesses. Liberate your riches. Vous voyez, Dieu lui-même, on ne devait pas combattre les démons aujourd'hui, mais Dieu a imposé ça. We do not have to fight against demons today, but quand on se réconcilie avec Dieu, quand on ne commande pas aux démons de partir, eux-mêmes commencent à se manifester. Even if we don't command demons to go, they start living. Restez dans cet esprit. Remain in this spirit. Consécration à Dieu. Consecration to God. Demain. Tomorrow. On reprend l'intercession pour les familles. We'll resume intercession for our families. Les auteurs vont tomber. And altars will fall. Et Dieu va libérer la bénédiction et la grâce pour les familles. And God will release blessings and grace for families. Que le Seigneur te bénisse. The Lord bless you.